Florian nous a rejoints pour nous parler du 34e prix du département de l'Hérault de pétanque. Ça va se dérouler à Castries les 14 et 15 septembre. Florian, community manager de l'association La Joyeuse Boulette Gastriote. Qu'est-ce que c'est que cette association? Bonjour à tous, déjà, merci de me recevoir. Alors, la Joyeuse Boulette Gastriote, c'est un club qui est construit il y a déjà 80 ans. On est actuellement une centaine d'adhérents. On fait beaucoup de manifestations, du coup, sur la pétanque, tout au long de l'année. On propose beaucoup de concours, de manifestations diverses, des championnats, etc. Et là, on a l'occasion de reprendre le flambeau de national de défi. Du coup, le grand prix du département aura lieu chez nous ce week-end. Voilà. Alors, ça va avoir lieu chez vous ce week-end, j'espère, avec un temps qui sera quand même adéquat, hein, parce que le week-end dernier était pluvieux. Donc, j'espère que ça va bien se passer. Je l'ai dit, hein, 34e prix. J'ai vu passer quelques articles justement là-dessus. Plus de 500 joueuses et joueurs sont attendus. Oui, c'est exactement ça. En fait, on aura un grand prix masculin tout d'abord, qui commencera le samedi matin et qui finira le dimanche après-midi. Et on aura également un grand prix féminin qui commencera le samedi après-midi et également qui finira le dimanche après-midi à la cour du château dans un autre cadre au centre du village de Castries. Alors tout ça, j'ai envie de dire, c'est quoi? C'est officiel? Tout le monde peut y participer ou seuls les licenciés qui appartiennent à un club de pétanque peuvent y participer? Comment ça se passe? C'est réservé essentiellement, exclusivement du coup aux licenciés. Il faut une licence pétanque pour s'inscrire à ce concours. Après, ouais, vous pouvez être de n'importe quelle région, vous pouvez jouer, mais il faut être licencié. Et alors, je l'ai dit, 34e édition, ça veut dire quoi? Avec le recul, on part sur 500 joueuses et joueurs. C'est déjà plutôt pas mal, en tout cas à mes yeux. Vous attendez combien de visiteurs? Parce que ça marche énormément, la pétanque. Oui, ça marche énormément, c'est énorme, environ 500 joueurs. Nous, on est habitué à faire des concours, mais c'est vrai qu'on est là, c'est l'étape au-dessus quand même. 500 joueurs, c'est quelque chose qu'on n'est jamais arrivé à organiser. Donc, on a l'aide du comité cette année pour nous donner un coup de pouce. C'est la 35e édition, mais pour nous, c'est une première, donc on est encore un peu dans le flou. Et on va essayer de faire au mieux pour que ça se passe idéalement. Et alors, quand c'est une première comme ça, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait d'accepter de faire cette 34e? Parce qu'on doit avoir un peu le palpitant, là. Oui, c'est exactement ça. Parce qu'on est un petit club, on n'est que 9 personnes dans le bureau, on est une centaine d'adhérents, donc on a la chance d'avoir beaucoup de bénévoles, des amis qui nous aident, etc. Et bon, on est soucieux de faire les choses de bien, parce que bon, si cette première édition se passe bien, on peut penser que le comité nous redonnera le flambeau pour continuer à Castries. Donc, c'est sûr, ouais, c'est une belle. C'est bien pour nous, mais il va falloir que ça se passe bien si on veut qu'on continue à Castries l'an prochain. Oui, je vois ça. Et puis, vous avez quand même l'aide de Hérosport qui va venir quand même vous filer un petit coup de main. Oui, ils nous filent même un gros coup de main, parce que c'est eux qui viennent nous tracer les terrains, qui ont fait le plan, etc., qui ont géré les inscriptions, etc. Nous, on doit gérer les points buvettes, bon, la communication depuis quelques semaines. Et après, le national va se dérouler, le Grand Prix, pardon, va se dérouler le samedi et le dimanche matin à notre club. Et le dimanche après-midi, on se décalera au château. Et la partie château, c'est eux qui ont géré le carré d'honneur, etc., de tout mettre en place. Nous, on doit juste gérer la buvette et voilà, la communication avec les joueurs. On est à la fin des JO qu'on a réalisés, qui ont été réalisés en France. Est-ce que tu as senti un engouement? Alors, même si la pétanque n'est pas officiellement représentée, à part chez les handisports, hein, qu'on a bien pu voir à la télé, est-ce que tu as senti un engouement un petit peu supérieur à la normale? Après, d'habitude, on fait des petits concours là-bas. Comme c'est un gros grand prix, c'est une date qui a été planifiée il y a déjà quelques mois. Donc, on espère, oui, que déjà qu'il y aura beaucoup de spectateurs, parce que la pétanque attire tout le temps du monde, que ce soit des novices ou des licenciés, des gens confirmés.
Donc, on peut espérer oui, qu'on aura beaucoup de monde ce week-end, en espérant qu'il fasse beau, comme tu disais tout à l'heure, le soleil ça sera déterminant pour passer le week-end et qu'on ait beaucoup de monde. Mais il va faire beau, alors je l'ai dit, ça va se passer à Castries. Si les gens ne se situent pas à Castries, ça se trouve où exactement? Alors, si vous arrivez du côté de Nîmes, vous passez par Sommières, vous êtes à un quart d'heure après Sommières, si je vais Sommières. Si vous arrivez du côté de Montpellier, vous êtes à un quart d'heure de Montpellier. Donc, c'est une ville à environ 20 minutes de Montpellier. Et bon, c'est une grande ville de 6 000 habitants, donc vous ne serez pas perdu. C'est sur le GPS, vous notez 4 route de Sommières et vous tomberez sur le Golfe. Tout sera indiqué. Si les gens se posent la question aussi, bah, si je viens en voiture, est-ce qu'il y a des parkings qui sont prévus pour que je puisse stationner? Oui, il y a un immense parking pour stationner, il n'y aura pas de souci sur ça. Vous aurez aussi un coup de feu pour la restauration, si vous voulez venir en famille, etc. Et la pétanque, il faut aussi savoir que c'est gratuit, donc vous pouvez venir que ce soit samedi ou dimanche, c'est gratuit pour si vous voulez regarder cette manifestation. Et puis on va dire la cerise sur le gâteau, on le dit bien, c'est les demi-finales et finales qui vont se jouer dans la cour du château de Castries, le petit Versailles du Languedoc, on va dire ça comme ça. Là aussi, c'est important d'y être parce que hormis le fait d'assister à ces demi-finales et ces finales, il y a aussi cet environnement, ce patrimoine qu'il y a autour. Oui, ça c'est assez exceptionnel. On voit pas que dans les nationaux. Là, il y aura un grand carré d'honneur avec 8 jeux, des gradins. L'endroit sera quand même sympathique, c'est dans un château. Donc, oui, j'espère qu'on aura du monde pour voir ça. Parce qu'il y aura des très bons joueurs et ça va être sympathique à suivre. En tout cas, on est là pour encourager, pardon, cet événement qui a lieu ce week-end. On vous le rappelle. Bon, on va croiser les doigts, mais normalement, il n'y a pas d'eau qui est prévue. Donc, franchement, ça vaudrait le coup d'aller tous à Castries pour cette 34e prix du département de l'Hérault de pétanque. Première organisation. Ils ont le trac, les enfants, là-bas. Mais bon, ça va bien se passer. On va croiser les doigts pour eux. Et puis, je vous rappelle que si vous voulez, bien sûr, encore leur mettre un peu plus la pression. Si vous voulez qu'on engage une équipe de télé directement sur place avec caméraman, journaliste, toute la clique d'HTV pourra se rendre sur place pour leur offrir un beau reportage parce qu'ils le méritent aussi. Et il vous suffit de voter le chiffre 1 que vous voyez en haut à droite de votre écran. Merci beaucoup, Florian. Merci à vous d'avoir reçu et bon, si vous venez passer faire un tour pour nous voir, ça sera avec plaisir. Merci.